Amazon Web Services nous a permis de faire croître l'entreprise, j'en suis persuadé. Nous avons multiplié presque par 10 notre nombre d'utilisateurs, nous avons multiplié par 3 notre nombre de clients, nous avons pu attaquer des entreprises multinationales présentes dans le monde entier. Sans Amazon Web Services, ça n'aurait pas été possible sans rogner sur notre structure de coûts. Bonjour, donc je suis Vincent Allot, je suis le directeur de la technologie chez Cross Knowledge. Cross Knowledge est une entreprise française, européenne, mondiale, leader dans la formation à distance pour les managers, mais également pour l'ensemble des personnes souhaitant se former sur différents sujets. Donc Cross Knowledge, fier de ses 5 millions d'utilisateurs, a besoin d'une infrastructure extrêmement fiable et scalable. Depuis 2008-2009, nous avons pris la décision de développer une offre SaaS sur le cloud et Amazon Web Services a été le service qui nous a séduit dès le départ. Aujourd'hui, on utilise une infrastructure de type hybride. Nous avons conservé des serveurs infogérés physique pour couvrir principalement le secteur européen. Mais notre expansion internationale nous a conduit à ouvrir des régions de manière extrêmement dynamique, l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Amérique du Sud, suite à une acquisition récente. En quelques jours, quelques semaines, nous avons pu migrer l'ensemble de l'infrastructure de notre acquisition au Brésil d'un hébergement physique classique sur Amazon Web Services sans aucune interruption de service et pour le bénéfice des clients sud-américains. Le principal bénéfice qu'on a acquis par l'utilisation d'Amazon Web Services a été la prise en compte de la croissance du marché et de l'entreprise. Nous avons pu passer de 500 000 utilisateurs à plus de 5 millions d'utilisateurs en quelques années sans dépenser un budget supplémentaire en termes d'IT, mais également en termes d'opérations. Aujourd'hui, notre infrastructure qui couvre l'ensemble des continents est gérée par 3 personnes. Un bénéfice qui a été découvert lors de l'utilisation d'Amazon Web Services a été sa conformité aux règles internationales de stockage des données. Nous avons des clients européens ou des clients nord-américains qui exigent, ou des clients japonais qui exigent que leurs données personnelles soient stockées sur le continent américain, au Japon ou en Europe. En fonds propres, Cross Knowledge n'aurait pas pu gérer ce type de contraintes. Notre cas a été la mise en place d'une migration d'applications existantes sur Amazon Web Services. Si je prends du recul, il y a 5 ans, sans l'utilisation du cloud, je suis persuadé que la croissance n'aurait pas été assimilée par Cross Knowledge. Amazon Web Service a été une clé pour réussir cette croissance.